La forme finale de Amine qui enlève son manteau. Ouais. Parce que là, Adrien, il était sur un vrai momentum. Hein. Il avait un lead. En fait, il y a un baguette reset là, qui vient gagner pour, parce qu'il était en loser, tu vois. Et là, c'est la vraie finale. Donc, c'est toujours, là, tu remets à 0 et c'est un 2-5. Ouais. C'est le moment. Adrien qui peut-être reste sur son momentum. La seconde phase du boss. Là, t'as une barre de vie à la Dark Souls qui arrive là sur la gueule c'est de Amine. La barre de vie, elle s'est refilée. Direct. On sent quand même que Amine s'est un peu économisé. Il se dit, je vais garder des forces pour l'humilier après, tu vois. Et j'espère que Adrien aura ce qu'il faut pour le. Mais voilà. Là, c'est le vrai. Oh, et ça pique Pokémon Trainer. C'est pas possible. Mal. Surtout qu'avec Dracaufeu, en fait, il peut faire beaucoup de douille. Hein. Et après, il a beaucoup plus de moyens de gérer ses items à la con, hein, Mega Watch. Il y a vraiment moyen de faire du bon. Et voilà, partez. Let's go. Là, ça commence directement, hein, l'agression qui revient. Et le BL of Shield. Voilà, ça fait mal. De Game Watch. Ici, bon, que 11%, et mais voilà, on le sent déjà là. Encore. C'est marrant. Bien faire les à chaque fois que quelque chose touche son shield, il se rapproche. Mais c'est un bon. C'est un bon buffer. Shield. Ça buffer, non, en plus. Mais ouais. Donc c'est un bon, une bonne option. C'est ça. Un bon out of shield, ça vient vite, ça a de la prio, tout. Il n'y a pas de temps d'avance que ça pour l'instant, même si ça commence à faire de la différence. Hein, Ah là, on peut encore rien dire. Ouais, pour l'instant, c'est encore assez close, même si ça commence à être légèrement dangereux pour Carapuce. Peut-être un switch bientôt de Pokémon là-dessus, dès la prochaine éjection, je pense. Mm-hmm, c'est ça. De qui qu'elle vienne d'ailleurs. Là, attention, faut pas. Non, heureusement, le c'est le Forastro qui a très peu de qui tue très tard. Ouais, presque pas de knockback. Ouais. Ah. Je pense que ça, Adrien s'attendrait au up B. Ah, par contre, ce move là aussi qui est extrêmement dangereux, là, c'est le down smash, ça, les deux marteaux là. Ouais. Qui est extrêmement dangereux aussi. Hein. Ouais, en plus, il a énormément tué grâce à celui-là. Y compris Adrien, encore une fois ici. Ouais. Le premier stock qui est récupéré ici sur ce deuxième set, c'est compliqué. C'est dur. Adrien, il faut pas qu'Adrien décroche de l'histoire. Attends, il se reprend son. Il se reprend. Oh, voilà. Et ça tue là-dessus, là, 5% seulement. Et la taunt, let's go. C'est le moment. Il reprend sur Carapuce. Là, il sait que c'est le meilleur pick. Donc, s'il réussit à win, il prend un avantage considérable au niveau du mental et au niveau de tout simplement du set en lui-même. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant. C'est ça. C'est vraiment une game qui sera charnière dans cette grande finale, je pense. Ouais. Ah, upbeat ou upbeat. C'est passé. Ben. S'il arrive, attention, hein, c'est compliqué. Hein. Très bonne capacité de juggle. Adrien qui biffie son upbeat pour ne pas s'accrocher au ledge et pour essayer de taper Amine. D'ailleurs, retard, en fait, le fer de Game & Watch, mm-hmm. Alors souvent j'ai remarqué qu'il a posé c'est problème le, à Niroge. C'est quoi, c'est le la bombe. La bombe, comme ça là. Ouais. Alors qu'en fait, Niroge, j'ai trouvé il avait juste à faire dedans. Parce que le fer de Game & Watch, si tu le tapes, et bah, la bombe disparaît complètement. Ah bah oui. Si tu le tapes assez tôt. Et ça, Niroge, je sais pas s'il l'avait compris quand il jouait. Ouh là, le grab ici au bord du ledge. Ça peut mettre une bonne phase ici pour Adrien qui. Là-dessus, il fait un petit footstool des familles. Il lui marche dessus. Ok, le side qui passe. Qui touche, voilà. Même l'eau, en fait. Même les windbox, ça annule. En là. Fait, dès qu'il y a un truc qui touche la bombe, ça l'annule. Ouais, c'est ça. Elle pète au contact d'un perso ou il y a tout quoi qu'il arrive en timing? Non, il y a un timing quand même. Là, il repousse Amine pour lui laisser de la attention, place. Hein. Voir comment il se sort de ce ledge. C'est les phases hein. De ledge trap. C'est compliqué, attention. Le grab ici, heureusement, le forward throw qui est extrêmement faible sur Game & Watch. Manquerait plus que ça. Eh bien, c'est ça. Oh là, on voit que ça lui réussit bien contre un Game & Watch. Hein, Ok, il reprendra au feu. Oh, joli ça. Ici, l'avantage pour la première fois de cette vraie grande finale ici qui a récupéré. J'entends rien, les gars. Là, c'est intéressant. Hein. Là on voit. Non, là ça tue. Ouais. Ça tue. Là le dernier. On va voir qui va prendre l'ascendant psychologique sur cette grande finale ici. Exactement. Pour ce début du dernier set de cette Untact Tournament Edition 2. C'est ça. On va voir qui s'en sortira avec la cape. Le dragon ou le chevalier. C'est ça. Donc qui soit le gagnant, on peut s'attendre à un retour pour l'édition numéro 3. Hein. Édition très certainement. Exactement. Si quand même pour une des premières fois sur un au pourcentage, Adrien a l'avantage. Ouais. Surtout avec Dracaufeu.
Attention. Attention ici. Hein. On voit qu'il a récupéré quand même Air Bizarre plus tôt. Ouais. C'est compliqué parce qu'il se prend des petites phases de jab. Ouais, des phases un peu bizarres. Ok, le fer qui passe. On voit quand même qu'Amine il tente des trucs, il tente des combos, il tente de faire des trucs originaux. Ok, le switch. Je pense qu'il est en train de se rendre compte que c'est pas si free que ça quand même. Mais bien sûr. Ça a jamais été free. À partir du moment où tu fais 3-2 sur un set, c'est pas free. Ouais. Voilà. De toute façon, j'imagine très bien qu'il va se dire que bah, effectivement, il se donnait pas à fond sur le premier set. Hein. C'est ça. Attention, un joueur le de type méchant. La dash attack. Ok. Qu'on s'appelle. Comme au catch, c'est un healer. C'est un ça. Heal, pardon. Un heal. Ouais. Le méchant. Le méchant. Attention, le B qui va pas tuer. Ah, comme finalement, Smash Bros, c'est comme le catch, hein, c'est le spectacle. Il y a les méchants, il y a les gentils, il y a le drama. La loi du sport, la loi de l'e-sport. Ah, encore le B. Attention là, par contre, là, c'est. Les deux pouvaient mourir. Hein, Dracofeu. Oh, ici, le combo qui ne passe pas. La flamme. Attention ici, est-ce que ça tue ? Ça va tuer. Et ça tue non, pas. Ça tue pas. Ça tue pas le retour ici de Amine et sur le terrain. Ah. Et oui Smash. Plus que voilà. Deux Deux games, Adrian. Deux. C'est un bourreur. Et je l'ai battu à la 7 comme sur Game Watch, c'est faisable. Tu l'as cette cape, elle est à toi, elle t'appartient. Sur Game Watch, c'est qui ? Envoie-le. Allez, on lâche rien. Oh, moi, c'est ce que je dis. Rabat le caquet à ce site lord là. Amine, la plupart du temps, il joue sur du counter pick. C'est que ça. Ouais, bah écoute. En vrai, ça marche, c'est vrai. Parce que c'est quand même un bon joueur. Mais plus tu joues avec Amine, plus. Moins plus tu te voilà. Plus il te bat. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est très bien placé en winner. Ouais, quoi. C'est qu'à partir du moment là, je pense qu'Adrian aussi a dû s'adapter à son Game & Watch. Et là, ça a sorti quoi ? Là, ça a sorti Fox, je crois, non ? Non, toujours Pokémon Trainer. Ah oui, pardon, j'avais la frame qui m'a. Voilà. On change pas une équipe qui gagne. Ouais, mais ça a bien marché. Il y a beaucoup plus d'options avec Pokémon Trainer, surtout pour counter un Game & Watch. En face de Ledge Trap. Aussi, ça récupère hein, le Pokémon. Le champ de bataille, pardon. Toujours sur Battlefield. Le terrain d'Amine. Pour l'instant, on a vu que des terrains d'Amine en fait. C'est ça. Non, il y a une fois où, bah, du coup, quand Amine a gagné avec Rogue. Ouais, une fois. Ouais. Mais bon, après, ils sont restés sur. Ici, le B qui touche. SD ou Smashville, je sais plus. Franchement, moi, je suis. Franchement, oui. Adrien qui, quand même, arrive bien à. Arrive bien à gérer les pistolets. Ouais. Même si là il a un peu de retard par rapport au pourcentage, c'est vrai, mais on a vu qu'il arrivait beaucoup à mid-pourcentage, ouais. Il arrivait beaucoup à gérer et à, ouais. Et à neutral. C'est ça, il peut faire des remontadas avec Air Bizarre et Dracofeu. On va faire attention quand même parce qu'il commence beaucoup à Air Dodge pour éviter le combo. Là ça peut être très vite, ça peut être facilement punissable. Ouais. On va peut-être faire attention. Si Amina arrive à punir si ça, compris, ça effectivement, très ça mal. Peut être très douloureux. Voilà, ici déjà un petit pourcentage pour. Attention, c'est compliqué. Là, ça tue. Ah, là, s'il a compris. Le premier stock qui est pris. Okay, rien n'est perdu, toujours possible de remonter. On voit directement 20% qui est pris. EPR. Ok. Le B raté. Ouh, joli ça, le B neutral. Ça, c'est bien ça. Oh, oui. Mais c'est Griffith. Le 0, enfin, il avait le revenge kill, quoi. C'est ça. C'est bien comme ça qu'on appelle ça, hein, revenge kill, quand tu reviens direct et que tu le butes. Je sais même pas si ça. Parce que moi je crois que ça vient du jargon Pokémon, tu vois. Ouais, genre, revenge kill, ouais. Tu ramènes un Pokémon et tu le butes celui qui a tué, voilà. Ça, revenge kill. Adrien qui reprend l'avantage du terrain là, sur cette deuxième stock. Du coup, le jargon Pokémon est de rigueur. Hein. Voilà. Donc, c'est d'actualité, écoutez, c'est dans le thème. Lançons une mode, on va dire revenge kill. Voilà, c'est ça. Quand tu reviens et que tu le butes instant. Voilà, Adrien qui. Qui reprend l'avantage sur ce deuxième set. À chaque fois qu'Amine commence à reprendre la confiance, à le ressortir d'abord, il re-step, en fait, c'est un step-up constant. C'est vraiment un combat de Dragon Ball Z où les mecs ils power up en permanence, les uns plus forts que les autres. Ils n'ont pas fini. Les phases s'enchaînent. Ils n'ont pas montré tout leur potentiel. On est au Super Saiyan Jin 3, je dirais. Bon. On va bientôt arriver sur le Saiyan Blue. God, voilà. Le God d'abord, ouais, voilà. D'abord le God, ensuite le Blue. Puis après le Kaioken Blue. Là. Voilà, c'est ça, Blue Kaioken. Il a rien à foutre là. C'est ça. Attention, oula, c'était ballsy ça. Face bizarre. Attention, oula. Qu'est-ce qu'il fait ? La cuisine. Il tente des choses. La cuisine de Game & Watch. La cuisine. Moi je dis, il faut tenter des trucs. Le pari. Oula.
Non. C'était dangereux, c'est passé. Up B qui tue pas. Il reprend, il repère son avantage en, en pourcentage, attention. Il a, il a la rage, donc ça peut. Attention. Ça peut il s'arrête bien sur la plateforme. Ça, il, il a bien timé son, son side B. Aïe aïe aïe, bon ça va pas ça tuer. Gratte, ça gratte. Ça gère bien le fast fall et les recours. Ah, la chaise. La chaise. La chaise longue. Enfin la chaise non. Pas très longue hein, mais quand même. Mais c'est une chaise. Il vient très vite. Ah ici. Ouh, coup de tête, coup ça, de tête. Non, ça tue pas. Ça prend directement. Ah, ça a tenté. C'était, voilà, c'était, c'était bonne idée. C'était pas mal. Le père ou le bis, c'est ça. Il cherche le kill. Hein. Il cherche le kill. Il a raison. Il lui faut. Oui. Évidemment. Il faut. Ah, Amine qui vient parier. Adrien qui se précipite un peu sur les grades, ouais, j'ai l'impression. Adrien qui arrive quand même à, ah, à bien récupérer un abo, qui arrive quand même à timer ses projectiles de sorte à perturber Amine quand même. Oh là là. Adrien qui commence à sortir beaucoup de F-Smash, mais ça reste assez dosé. Ah, attention, ça arrive à grab ici. Ça tue, et ça tue sur la, sur la. Ok, 48%, haute, carapuce et, c'est confirmé, et choisi ici. Dernier stock pour les deux, pour ce match qui est, bah, sera très, vite, très, très rapidement décisif. Car si Adrien l'emporte, ce sera une victoire d'être grand vainqueur de ce tournoi. Exactement. Et ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Faut le détrôner, Amine. J'ai pas eu l'occasion de jouer contre lui, mais vas-y. J'aurais bien aimé avoir l'occasion de lui, d'essayer de lui. Ah, son Game & Watch, je le dis, hein. Il m'a pas pris de game avec Game & Watch depuis qu'on joue. Ah, donc un contestant intéressant. Quoi. Exactement. En espérant te voir l'affronter dans les prochaines éditions, dans les prochains c'est tournois. Ça. On sera vite mis au courant, je pense. Oui, oui, ça sera là. Si tu le sors, si tu sors Amine, je pense que ça va en parler. Quoi. Oui. Ouh, la chaise ici la qui vient terminer, qui vient égaliser. Donc Amine, sur ce, comme le premier set, en fait, voilà, qui vient égaliser ici, 1-1. On t'inquiète, plus l'histoire. Que deux toujours. On réécrit l'histoire. Encore deux, t'inquiète. 1-1. Oh là là. Ok, ça va piquer quoi du coup? Ça devient très tendu là. La pluie qui est de plus en plus vénère. Heureusement que j'ai pris mon parapluie en repartant. Quoi. Parce qu'il pleuvait pas quand je suis parti chez moi. Mais là, non, mais là c'est un truc de malade. Hein. Je sais même pas comment on va faire. Pour heureusement que moi, mais heureusement qu'on sait qu'il est, il est résistant à l'eau. Quoi. C'est à qui ça? C'est à moi. Pas laisser les, pas laisser les déchets comme ça. Non, vite. Adrien qui reste sur Pokémon Trainer, cette fois destination finale. Ok. Je pense que destination finale est quand même un meilleur terrain pour Pokémon Trainer, mais. Mm-hmm. Enfin, en vrai, je sais pas trop. Non, en fait, les plateformes de Battlefield, elles l'aident quand même à extend. Ouais, mais après, Amine, il peut mettre beaucoup de pression grâce aux plateformes. Ouais. Il peut jeter beaucoup de trucs des plateformes. Là, c'est assez plat. Puis après, je sais pas, souvent Amine il me laisse aussi destination finale. Je sais pas si c'est un bon terrain pour Game & Watch. Bon, si c'est dit, je vais te le laisser. De toute façon, je vais te battre sur le meilleur terrain. Bon. C'est même pas arrivé. Ah ouais, il est où le score? Le score, mais quel score? Le score, effectivement. Voilà. Ouais. J'avais pas remarqué qu'il avait disparu. Je suis trop concentré sur ce match. Oula. Mais le shield. Très bonne gestion du shield ici. Exactement. Le grab qui passe, ça ne connecte pas. Ça connecte. C'est le moment, hein, c'est le moment. Ouh. Attention quand même. Il a tenté on arrive au kill le pourcentage. Il gère vraiment bien son air bizarre, n'empêche. Ouais, air bizarre et Dracaufeu. En vrai, il les gère tous bien. En fait. On a dit plutôt qu'il gérait bien Carapuce. En vrai, il les gère tous bien. Mais pour moi, sa meilleure phase, en vrai, contre son. Oh, joli ça. La get-up attaque facile. Contre Game & Watch, sa meilleure phase, je dirais, serait. Je sais même pas en fait. Les faces sont assez bien. En fait, il doit être bon constamment. En fait, ouais. Il n'a pas le choix. Donc, forcément, à chaque fois, on se dit oh, joli, ça tue ça. Le grab whiff. Non, ça tue non, pas. Ça tue pas. Ça essaie maintenant, de c'est Adrien qui est en situation. Oh, de... Et oh, voilà, oui, il a catch. Le père. Il a compris. Ici, qui vient récupérer. Et sa revenge kill instantanément derrière. Il n'a pas compris. Voilà. Ah, je vous l'ai dit. Hein. Quoi? J'ai entendu mon nom. Le combat de la fin du monde ici. Ouais. Oh là. Vraiment okay. Serré. Hein. C'est chaud. Hein, c'est. Il reste sur l'ordre neutral. Tout. Mais la finale est limite plus impressionnante, je dirais, que celle du premier au final. Même si OG Omika c'était impressionnant, là, Oui. Il y a vraiment un lore, tu vois. Non, oui, là, il y a une histoire. Une belle histoire. C'est pour ça que je suis venu dans la communauté de Smash. C'est pour ça que je voulais être caster, moi. Voilà. Voir ce genre de truc, c'est génial. J'en avais marre d'entendre parler ça dans des vidéos YouTube au pif qui recensent des trucs. Moi, je voulais le vivre, tu vois. Ça, c'est beau. Je t'ai dit, bientôt, ça va être moi, là,
qui a commenté ça. Attention, le air bizarre. J'ai encore du chemin, mais ouais, là c'est déjà. J'ai déjà beaucoup de chance d'être ici pour pouvoir commenter ça. Je suis très très content d'être là. Dans ce match d'anthologie, hein, faut le dire. Oui. Ou le Bakker qui passe. Qui aurait cru Bakker Sour Spot. Qui aurait cru qu'un petit tournoi local comme ça aurait de telles conséquences. C'est ça. Aurait de telles répercussions. Oh, le footstool. Du coup, il esquive le Bakker. Attention, c'est compliqué. Ah, ça bourre. Ça, heureusement, le shield n'a pas break. Ouais. Attention ici, ça bloque. Amine, il a souvent ces phases où il reste là et il fait que d'énormes smash. Le Bakker qui a passé, n'empêche. Ouais. Là, c'est très compliqué là parce que là, on a plus que deux stocks. Les deux peuvent partir, ça peut être très vite. L'avantage ici, chaque stock compte extrêmement. Oh, c'est dommage, d'ici ça pourrait peut-être punir. Il commence les fers. Ouh, voilà. Le fer qui le passe au-delà de la bombe. Ça, c'était beau, ça, par contre. Mm. À travers l'explosion, enfin, à travers, au-dessus de l'explosion. C'est ça. Il ne faut pas qu'il se fasse tuer de la, justement direct après. Pas de revenge kill ici. Voilà, la super armure. Là, c'est beau, ça. Dommage, dommage qu'il était qu'à 0 pour le spike. Ouais. Et là, il serait mort s'il était à beaucoup, un peu plus sur 5 oui. Je dirais. Oh, clairement. Oh, voilà, ouais, voilà, il suffit là, de taper. C'est beau, ça, c'est beau, ça. Il attend. Il fait un mur de bombe. Là, il faut qu'il le gère. Par contre, attention, le chute. Voilà, c'est ça. Il suffit de faire dans son fer. Ah, attention, voilà, ça tue, ouais, forcément. Mais c'est pas grave. Il y a quand même 24% d'avantage. Ça reste plus que deux, hein, faut le savoir. Hein. Voilà. Plus que deux des deux côtés. Plus que deux. Attention. Et dans sa tête, il faut que ce soit déjà plus qu'une. Là, il faut qu'il l'emporte. Il faut qu'il la prenne. Il faut que ça vienne. La revanche ici qui doit être prise. Le of shield. Toujours. Là, le dernier stock est extrêmement important pour les deux parce que là, celui qui le met sera en position de gagner cette édition. C'est ça. Et de façon non équivoque finalement. Exactement. Là, ça y est, là c'est la belle. Et là, on voit déjà que c'est beaucoup plus tendu. Le Fox qui ne sort pas évidemment, hein, ce qui est une bonne chose parce que je pense que contre un Game & Watch, il y aura beaucoup de mal avec Fox. Ouais, c'est là, il arrive à cancel la. Finalement, Adrien qui a un peu de mal parce que niveau match-up avec son Fox, il a beaucoup de mal. Ouais. Donc contraint à step up en jouant autre chose. Donc c'est intéressant. Attention, par contre, là, très dangereux là, pour du Adrien. Coup, il re-switch. Qui arrive à. Ouais, Adrien qui gère très bien ses switches. Oh, le fer, il aurait peut-être pu le faire. Oh là là. Oh, il se passe tellement de trucs. Oh, les paris. Là, il se passe des bons paris. C'est très beau. Le up B qui le met en avantage. Oh oui! Ou le DR. Oui! Plus qu'une! Plus qu'une! Le DR, pour une fois qu'il arrive à mettre un DR, plus c'est ça. Qu'une! C'est ça même. Ah, mais il va y avoir un best-of, on va faire plus qu'une! Plus que 5, plus que 4! Et ça va être un. Adrien! Mais c'est génial! 3 stocks! 3 stocks! Stocks. C'est match. Quoi 3 stocks? 3 stocks et c'est fini! C'est tes stocks, c'est pour toi, c'est ta victoire! Oh là 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 là! Là, Adrien qui est extrêmement bien. C'est ça. Il faut qu'il garde son momentum. Il faut que tu gardes. Il faut pas que tu te fatigues. Il faut pas que tu te ralentisses. Quelle heure d'ailleurs? 21h25. Parce que là, Amine, il va donner aucune concession. Là, c'est le moment. Et ça reste sur DF. Parce que Amine, il peut plus se permettre de faire ah oui, c'est free machin. Non, là non, tu. Non, c'est pas free. Là, tu. Amine en sueur. Là, tu respectes ton adversaire ou il te disrespecte lui quoi. Amine qui a enlevé la capuche. Amine qui a enlevé la capuche qui est de nouveau dans sa phase finale. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est ça. Hein. Amine, vas-y. Il fallait que je le voie en braquette. On voit quand même sinon beaucoup c'est de. Pas drôle. On voit quand même beaucoup de un peu de retard de la part de d'Adrien quand même. Qui bon. Là-dessus s'est fait très vite, en fait, qui s'est fait prendre de vitesse dès le début en fait, mais c'était ça. À prévoir hein, d'un Amine en colère, un Amine qui veut l'emporter, un Amine du côté obscur. Là c'est ouais, passé mais... en Super Saiyan Blue là. C'est ça. Là. Mais, n'empêche Adrien, souvent dans les games là de ce set, ouais. Genre, il a souvent un retard, puis après il a une phase de comeback. C'est ça. Là par contre il a beaucoup de retard. Oui, là le retard il se creuse donc là. Ah. Oh. Oh oula. Non c'était non. Ça. C'est safe. Ah, pourquoi il saute dans la bombe? Là c'est très dangereux là. Non, Amine il cherche. Amine il change de tactique hein, beaucoup. Et voilà il a trouvé le grab mais c'est pas. Mais qui connecte pas ouais. Ah c'est compliqué là. Ah. Ok. Ce la dernier chaise. Match qui commence assez mal mais ça peut toujours se revenir. Aïe 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 aïe. La roll. Ok, Adrien qui vient sur Air Bizarre. Et s'il y a un Air Bizarre qui arrive à tenir la distance. Ouais, Air Bizarre, je pense que à ce niveau-là du match, Air Bizarre est beaucoup plus safe comme option que Carapuce qui a très peu de portée, je dirais. Ouais, c'est ça. À mon avis. Air Bizarre, je pense qu'il devrait commencer tous ses. C'est ça, il devrait commencer le match par Air Bizarre. Il devrait commencer le match par Air Bizarre, mais même tous ses stocks avec Air Bizarre, je pense. Oui. Parce que dès le début, en fait, c'est un peu trop qui tout double. Surtout qu'à partir de ce moment-là, dans le match où il est vachement avancé, le. Du coup, il y a eu beaucoup d'habitudes des deux côtés. Ouais. Carapuce est devenu trop risqué, trop petit en gros. C'est ça. Comme littéralement dans les deux sens, dans tous les temps. Il est trop fragile.
C'est ça. Là où Dracaufeu et Ervizar sont un meilleur duo, pour le coup, Carapuce. Ouais. Et yes, le smash, ça reprend. 74% de décalage. Il a vu pire dans ce match. La, la question est, non, je pense pas qu'il va switch maintenant. Il va rester sur, sur Dracaufeu. Il y a moyen qu'il reste. Bah, s'il switch, il va mourir très très vite. Hein. C'est ça. Attention, ici, ça ne tue pas. Mais ça prend des pourcentages. Ça prend des pourcentages. Ah, il a switch, switch sur Carapuce. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il a failli directement se faire punir. À mon avis. Voilà, il cherche juste à gratter, puis après pour revenir sur Ervizar un peu, pour changer le momentum. Il fait bien, il fait bien, il essaie de gérer des changements de rythme directement pour que Amine perde un peu cette, qu'il perde cette faculté à gérer le rythme en fait. Attention ici, la flèche a failli passer. Voilà, et là, et ça récupère, et oui. Et là, ça récupère. Là-dessus, le ledge guard qui essaye. Ah non, il a raté. Attention ici, oh oui, oh, le là, nerf ça touche, qui cache derrière. Qui cache la roll. Le nerf qui arrive à protéger. Voilà. Le nerf. Oh là là, mais ça c'est beau, back-air, ça. Le back-air qui est tellement beau là. Le back-air de Ervizar est très impressionnant. Oh, attention. Oh, le forward smash qui n'est pas passé. Là ça ne tue pas. C'est trop. Non, il a pas vraiment de kill trop. Hein. Oh ah, non, non, intécable. C'était intécable. Ouais. Intécable. Quand il y a le cercle rouge, de toute façon, c'est que c'est intécable. C'était trop fort. Mais c'est pas grave. On a vu que, clairement, hein, Adrien avait de quoi remonter là-dessus. C'est ça. Avec un Dracaufeu, attention quand même. Attention au ledge. Faire les normal get-up. Il en fait souvent en plus. Ouais. En général, c'est une des options les moins prisées des joueurs, les normal get-up, donc forcément, il se dit que c'est imprévisible, sauf que là, ça commence à être un peu souvent. C'est ça. Mais il y a moyen de... Oh, c'est tendu, je sais pas quoi dire, là, j'ai juste envie de regarder. Ouais, c'est vraiment tendu, les deux joueurs qui se tiennent, qui attendent que l'autre commit. Ouais, parce que là, là, on est sur un match de 7, clairement, match de tournoi, on est sur la toute fin. Potentiellement la dernière game ici, si Adrien arrive à perf, arrive à nous montrer une magnifique phase. Dans tous les cas, on aura encore un dernier match hein, si Adrien ne parvient pas à valider ici. Adrien qui trouve la trop. Adrien qui trouve ici, ouais, la trop. Amine qui a quand même 53% de retard s'il le tue évidemment maintenant. Mais ça reste quelque chose de faisable. Attention, joli ça. Il a air dodge. Oh, dommage ça. Le poisson qui touche. Attention ici. Le jab. Oh, et la trop qui tue. La trop. Frappe oui, frappe Atlas, 57% à rattraper. Plus qu'une stock. Plus qu'une stock. Les 60% n'existent pas, c'est ceux qui servent à rien. Voilà, c'est ça. C'est quoi 60 60, c'est rien. Rien nous, on voit une stock. Attention aux bombes. Il n'y a que Rondoudou qui a peur. C'est ça. C'était pas Rondoudou. Hein. Allez. Ok, ici. Le début de la fin, hein. les 6% de la fin du début. Et du début de la fin pour Amine. C'est ça. On l'espère, le dernier stock d'Amine, on l'espère tous ici. Tout le monde voilà, espère voir ça. Il a compris. Il arrive, il faut le juste taper quand il fait ses fers. Ça remonte petit à petit, il arrive, il switch sur Ervizar qui le réussit beaucoup plus sur le ce upper. Ça c'est non, très il a vite raté partir. Le grimpe. Attention ici, c'est hein, dommage. Quand même. Une phase de. Oh, oh non. Non, dommage. Attention les joueurs qui se lèvent. Ça se lève, ça se lève. Aïe aïe aïe. La last la de la last. La der des der. Ah le karma il va te frapper fort hein. Il va te frapper comme je t'ai downer à la Saicom. Tout le monde veut le voir perdre. Tout le monde veut voir Adrien gagner. Non mais c'est parce que j'ai pas joué contre Amine. C'est pour Adrien, ça. C'est pour ça qu'il Adrien, est là. Plus qu'une game. La der des der. Non mais elle, le karma il va le frapper fort comme mon downer à la Saicom. C'est bon. Tu vas voir ce qu'il a mis sur le truc. Hein? Qu'est-ce qu'il a écrit? Ok, ouais les gars, c'est le dernier match de tout le tournoi. Si vous pouvez regarder, ce serait cool. J'avoue. Ils s'en battent. Ah non, ils veulent grain, non? Ça c'est les Parisiens. Ça. Ils ont aucun sens du spectacle là. Le verre d'eau ici qui est servi. Virose qui soutient. Soutient son ami Adrien. Attention. Choisis la musique. Ok, dernière game, ça y est, dernier pic. Game and Watch. Game and Watch. Non. Ça a paniqué. Attention. Et Adrien, tu fais pas peur pour rien. Peut-être ce choc qui va perturber. C'est ça. La feinte. Le secret pic. La feinte. Bon, Adrien en ultra instinct. Adrien va gagner. Allez, c'est là sûr. On passe en Super Saiyan God Kaioken. Là, c'est ultra instinct là. Ultra instinct. Oui, c'est vrai, il y a ultra instinct après. C'est ça. Mode ultra instinct là-dessus. Directement, le premier pourcentage qui est récupéré par Game & Watch. Le EB qui va vraiment vite hein, parce qu'il a juste eu à parer le premier coup. Ouais. Il a déjà eu le temps pour. Mais c'est 3 frames, je crois. Ah ouais je crois que c'est combien de frames le. Je sais plus c'est combien de frames exactement le Perfect Shield. Je crois que c'est 3 frames. Pas trop en frame, mais ouais.
En tout cas, c'est très rapide. Genre entre moins de 5 frames, je dirais. Ouais. Du coup, il faut vraiment des coups rapides pour sortir de là. Oh, le grab, fort. Ah, il arrive quand même. Les juggles. C'est vraiment even hein, sur cette dernière, c'est très très compliqué. Ouais. Les deux hein, se disent, il n'y a plus le droit à l'erreur. Chaque pourcent est vital. C'est ça. Ici, Adrien qui va peut-être bientôt switch sur un air bizarre. On peut l'attendre. Non, pas maintenant. Pas maintenant, peut-être. Ah, c'est vrai qu'il arrive bien à le gérer. Voilà. Là, c'est le bon moment, effectivement. Là, il arrive à le gérer parce que là, avec ses. Faut qu'il fasse attention, hein, c'est grave. Ces petites explosions là, avec ses. Voilà, ça. C'est compliqué, faut faire attention. Ah là, il se fait grab. Attention, kill pourcentage, attention, hein, ici pour truc. Ah, il a déjà perdu comme ça, faut faire attention. Attention, je dis beaucoup trop de fois attention. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, quand même. Ne tue pas. Par contre, ici, Dracofeu qui épique là-dessus pour peut-être survivre plus longtemps, grappiller des pourcentages, essayer de tuer peut-être, jab, prendre le premier. Cancel, grab, il direct. Le faut, hein. Il en a besoin. Ouh, oh, non, il cache la roll. Oh là là, dommage. C'était pas passé, c'était à quelques pixels. C'est ça. À quelques pixels de. Oh, c'est dommage. Attention. Quand même, il a un gros avantage hein, quand même. Remanage a quand même un gros avantage à pouvoir agir après son hubby. Quand même. Un hubby qui a une très bonne recovery et que tu peux faire des trucs après. Donc, ce qui est très très fort. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, ça lui donne un avantage considérable dans tous les match-ups de retour sur le stade. Oh, en fait. Oh joli ça. On l'a pas beaucoup. Avec le heavy tilt. Oh, il a tenté le EPR. Ici, il se fait juggle, attention. Combo, ouais. Et puis, fasse attention à ses phases. Oh. Le 1 qui a été. Bon. Bizarrement, ça connecte pas. Attention. C'est compliqué, ça, ouais. Ouf. Ah, ouais. Ça il a du même mal la roll. Attention, hein. Par contre, là, ça commence à être très dangereux pour. Le up smash. Pour Adrian. Un peu trop tôt. On veut tous le voir gagner, il faut qu'il gagne. Attention, la frappe Atlas qui tape sur la plateforme et du coup qui tue très vite. Ici, 104%, c'est la rage. Fini. La rage. Deux stocks des deux côtés. La rage ici, qui va peut-être jouer. On va la faveur. Attention, Carapuce qui sort. Carapuce en combo rage, ça peut être. Attention, parce que là, il a failli déjà sortir alors qu'il est à l'autre bout du stage quand même. Hein. Ouais, bizarre. Les joueurs sont debout devant la télé, ils dévisagent la télé, ils n'arrivent pas à décaler les yeux de la télé, c'est incroyable, tout le monde est rivé devant son écran, vous chez vous aussi peut-être, ou alors vous jouez aussi de l'autre côté, je sais pas. En attendant, les gens veulent être là. C'est le moment, c'est là qu'il faut être, la DR des DR comme vous pouvez le voir ici, c'est le moment. Ouais, bon, ça, c'est quoi. C'est les faux espoirs ça qui met, attention le shield ici qui a pris cher quand même. Vrai, ouais. Ici il arrive à revenir là-dessus, ça c'est bien ça, ça c'est ce qu'on veut voir, ça c'est ce qu'il nous faut. Attention ici, air bizarre qui. Attention, ne se faites pas punir. Back air. Ah, il met de la pression. On serait pas contre un petit spike de la part d'Adrian. Ah vraiment. Oh. Attention. Il a foiré son hubby, je crois, c'est ça. Ouais. Attention ça. Quelle top attaque sur la recovery, attention. Dracofeu qui, du coup, peut se permettre d'être un peu plus agressif à haut pourcentage quand même. Là, attention quand même, on est sur un des derniers stocks. Oh, il a tenté. C'était à tenter. Oh, joli la super ça. Armure. Franchement, bonne là, utilisation c'est, de la super c'est la première fois que tu utilises ce truc offensivement. Et la chaise, attention. Le bon dernier stock. Pour Adrian. La dernière stock du tournoi pour Adrian. Le public encourage Adrian. Adrian, tout le monde est derrière lui. Tout le monde veut le voir gagner. Tout le monde croit en lui. Faut l'éliminer, Amine. Oh, joli ça. Le B qui vient cancel tous les projectiles et taper Game & Watch directement. Exactement. Tel Adrien qui est venu taper tous les losers. Oh. Oui, 51%, un stock pour attention. La victoire. Ah, il reprend Carapuce, c'est tendu. Ah, il trouve un grab ici. C'est le moment. Il trouve un grab. Pendant qu'il a baissé sa garde, c'est le moment. Il faut absolument trouver. On est totalement partiel, mais il le faut. Attention. Il faut voir Amine partir. Amine okay, doit perdre. Okay. Il mixe c'est le scénario, Flavico, les gars. Il mixe. Okay. Il trouve le grab. Il arrive il a moins en moins de retard, hein, clairement. On n'est pas à l'abri, attention quand même. Kill ça va peut-être switch. Très dangereux ici. Ouais. Non. Non. Non, non, non. 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 Pas là-dessus. Pas comme ça, Zinedine. Mais non. Pas comme ça, Zinedine. Mais non. Bravo. C'est comme si. Pas mérité. La cape qui sera décernée donc à Amine à contre-cœur par tout le monde ici. Mais c'est non, pas mérité. Mais non. Ne vous inquiétez pas, faites-moi un peu de place, faites mes place amis. Au président. Voilà. Wow. Enfin, en plus, je suis en jaune. C'est pas grave. Voilà, en plus, moi, c'est tellement qui... dégueulasse. J'ai une banane dorée, regarde. T'as une banane dorée. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match
messieurs. Difficile. Difficile. Pourquoi ça s'est fini comme ça? Ouais. Vas-y, je me mets un peu plus derrière. Le gagnant qui vient ici. Non, viens, Amine, viens, Amine. Je laisse la place. Je laisse la place. En tant que roi de cette deuxième édition. Merci beaucoup. Je voulais l'humilier publiquement, mais il s'est aidé tout seul. Ah ouais, tout ça. Mais il s'est dit, ouais, bon, vas-y. On l'a tous vu, tu suais. Non, mais il a trébuché. On l'a tous vu, tu suais. Hein? On l'a tous vu, tu suais. Mec, il s'est dit, je gagne tout le temps. Non, bon. Même quand je suis, même quand je... Non, mais ça, c'est même juste... quand j'ai du mal, non, mais... le destin me choisit. T'as pas ça, gagné l'argent, là, c'est deux, en fait. T'as pas gagné l'argent là, ça va être. Non, et c'est dommage. Ah bah. Oui, mais c'est parce qu'il y a un chacal qui m'a bloqué le chemin. C'est jeu d'un. Il faut une saison 2 en fait à la série en fait. Il faut qu'il y ait. Tous les switch, tous les dents. Regardez, je voulais switch. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y avait side B, t'as fast fall et j'ai juste side B. Et voilà. Side B. Toi aussi, arrête de floco là. Non, mais t'avais stressé, c'est ça? Non, je sais pas. Ouais, bah c'était ça. Non. Non mais même moi en vrai tu vois à la fin ça m'a coupé net tu vois niveau satisfaction niveau tu vois ça, ouais. Au-delà de tout le scénario franchement ouais. C'était une finale géniale. Clairement non, mais c'était en très, vrai très c'était adapté de ouf tu sais j'avais surtout peur de son air bizarre tu vois. Ouais le air bizarre c'était un gros wall. Le air bizarre ça marchait bien. Le air bizarre c'est surtout vu, un gros wall en fait. Regarde tu vois pas de range en fait c'est ça c'est faut que t'as pas de range. En fait faut que je prédise tes moves c'est ça le truc. Moi je vous le dis c'était un plaisir de me cacher dans cette grande finale c'était un honneur. Tu connais tout le temps c'est OB. C'est mon deuxième tournoi que je caste et assister à ça franchement. Avec Aras ça fait très plaisir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce tournoi Amine? Comment t'as trouvé ce tournoi? Alors la venue elle est sympa, j'aime bien la venue en fait. On va montrer un petit peu aux personnes. Tu peux faire tourner la canne comme ça? Bah s'il y a quelqu'un, Arzard, comment ça? Prends la canne qui alors est j'aime bien. Attends, laisse-nous là en fait, on va leur montrer. Prends la canne qui est là. Ah mais non, attends, celle-là est en toute petite. Vas-y, on prend celle-là. On prend celle-là? Ouais. Ouais, non mais regarde, on fait ça. Donc, alors ici, disais, la venue elle est cool. Attends, la régie de monsieur. Voilà. J'aime bien la venue, les briques qui entourent la Vénus et c'est cool. On tremble un peu, mais c'est pas grave. Alors, le tuyau il est cool. We are together, bro. J'ai rien à dire là-dessus. Salut, allez. Et on va faire. Alors, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y a moins de setup. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a moins de setup, mais je pense que ça va se rattraper au prochain tournoi, donc we good. Après, il y a une question d'aimer aussi, hein, donc bon. Niveau. Moi, je parle en tant que joueur de mid. Du coup, tu viens de Paris, donc. Hein? Tu viens de Paris, là. Donc, ouais, je viens de Paris. Du coup, est-ce que tu conseillerais Untag Gaming à tes amis parisiens? Non, mais les trois. Oui. Franchement, oui. Le tournoi, il est cool, il est sympatoche. Si vous voulez voir aussi la commu Orléanais, c'est ça? Oui, Orléanais. C'est ça, et bien, ben. Et bien, il faut conseil. Ouais, c'est l'homme d'Orléans, lui. Franchement, on avait une belle vue tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dommage qu'il pleuvait, mais. C'est voilà, les éléments qui se déchaînent pour c'est le ça, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, on voit le ciel là-bas, et franchement, je l'aime bien. Voilà, on va passer à la cérémonie tout de suite, avec la cape qui sera remise à Amine. Oui, vous l'attendez, cette cape a été déjà signée avec OG, maintenant il y aura Amine. Et bien Amine, est-ce que tu viendras? Tu ne sais pas encore. S'il y a des covoiturages, ouais. S'il y a des covoiturages, voilà. Donc si vous venez, c'est de Paris que tu viens? Hein? C'est de Paris? Ouais, je viens de Paris, de ouais. De Paris et que vous avez envie de faire d'aider le roi, le nouveau roi Amine des sessions Untag, et bien n'hésitez pas, on se tient vite au courant. Tout de suite, on passe à la cérémonie. Super. C'est du jaune. Amine avec la cape de géant nous dit oui. Donc si vous avez envie, vous vous dites franchement, moi j'ai trop envie de la faire, d'être le roi. Il y a peut-être une petite session où il y en a un ou deux qui est on pas là. On va t'entraîner toi. Ah ouais non mais moi avec mon Yoshi je pars de trop loin. D'ailleurs attends je tiens à préciser aussi. Je sais pas c'est qui avait dit, effectivement oui c'est la cape avec écrit OG mais c'est tout simplement parce que OG avait gagné la première édition. Après évidemment à la prochaine édition vous verrez qu'il y aura écrit OG et à côté il y aura écrit Amine. Voilà. Et ce qu'il faut savoir c'est que nous on compte faire actuellement, tenez-vous bien, jusqu'à juin 2020 au minimum 16 sessions. 16 tournois comme ça. 16 tournois comme ça. Donc il y a de la place sur la cape.
pourquoi pas vous. Ça fait ouais. N'hésitez pas à suivre. Ça fait deux par mois. Voilà, on est sur la bimensuelle. C'est écrit sur l'affiche hein, en général. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre. Je laisse le canard belge pour le closing. Je m'occupe de la régie. Merci de toutes les personnes qui sont passées. N'hésitez pas à relayer l'information. Voilà. Moi, je me suis bien amusé. Par contre, j'étais un peu crevé sur la DRDDR, mais ça. C'est normal, c'est voilà. La longue journée. On est là, tu es levé depuis très tôt. Bah, à 5h du matin. Ouais, moi, même moi, j'ai fait une grasse mat par rapport à toi, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Allez, t'imagine, je te laisse faire le closing. T'imagines, je me suis levé à 8h30, mec. T'imagines. Ah, j'imagine. Oh là là. Allez, closing. Allez, ouais. La ok, merci. Du coup, je prends le spotlight là-dessus. Effectivement, on vous remercie tous d'avoir regardé en stream, je sais pas combien vous étiez, mais en tout cas on vous remercie tous, on remercie tous les joueurs d'être venus, on remercie le CRIJ ici au centre Val-de-Loire, on remercie Arzar qui me fait un pouce en l'air là-dessus, on remercie moi évidemment. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont regardé, à tous ceux merci qui ont à ramené tous. Vos setups, surtout ramenez vos setups, et quand vous ramenez vos setups, les organisateurs vous aiment, et ça c'est important. Voilà. Et venez en spectateur, c'est gratuit. Et les spectateurs, c'est gratuit. Et quand c'est sur place, c'est toujours mieux. Voilà. Donc je pense que on peut. Je sais pas. Remercier aussi Bravir. Évidemment, Bravir, le meilleur caster du PAF là-dessus. On doit l'avouer, hein, clairement, un homme de charisme qui a du potentiel énorme, notamment quand il joue les méchants dans des dessins animés Pixar de super-héros. Il se reconnaîtra là-dessus et à cela je te dis voilà, mais bon, tu es quand même quelqu'un de talentueux, quelqu'un d'extrêmement sympathique, et oui je suis un salaud et c'est comme ça que je veux qu'on se rappelle de moi comme le pire des connards que cette terre ait connu, mais au moins un connard qui met l'ambiance, en tout cas je l'espère. On dit au revoir à tout le monde, c'est terminé pour aujourd'hui, on éteint tout, allez, extinction des feux dans 3, 2, 1.